qui nous séparera de l'amour de Jésus. Dieu qui nous séparera de l'amour de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus. Dieu qui nous séparera de l'amour de Jésus. Dieu qui nous séparera. Amen. 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 C'est dans Jésus, on va lire.
Amen. 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 À partir du verset 7. Amen. Nathan en fut informé. Amen. Il alla se placer sur le sommet de la montagne. Amen. De Sigarizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Amen. Écoutez-moi, habitants de Shechem. Et que Dieu vous écoute. Amen. Amen. Les arbres parti pour aller oindre un roi. Amen. Et le mettre à leur tête. Amen. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Amen. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Amen. Amen. Les arbres dit au figuier, viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Les arbres dirent à la vigne, viens, toi règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Oui. Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, viens, toi, règne sur nous. Amen. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi. Amen. Venez réfugiez-vous sous mon ombrage. Amen, amen. Sinon, un feu sortira amen. Du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Amen. 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 Ce dimanche, c'est un message bizarre. Amen. Vous voyez que ce qu'on vient de lire est bizarre. Amen. 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 Et on croit que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Dieu donne les choses en son temps. Amen. 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 On va lire dans Matthieu, amen, chapitre 27. À partir du verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toutes les coyotes. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouilla devant lui, il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Amen. 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 C'est un message, comme j'ai dit, bizarre, je vois comment Dieu va conduire les choses. Amen. Ce que même j'avais en esprit comme une pensée à venir vous apporter. Amen. C'est à 3h du matin de cette nuit que ça a été changé. Amen. J'étais parti dans les herbes à 3h, sûrement il était 5h, puisqu'on n'a pas de courant, rien. Amen. Donc c'est un portable là, tout est cassé. Amen. Donc, le parasol, je vois comme ça, chez moi c'est 5. Je ne vois pas en haut, je vois ici.
Donc, tu vois, il est 5 heures. Je suis sorti de la maison. Et puis, je suis allé un peu dans les herbes. Amen. Donc, c'est en sortant des herbes que l'esprit m'a frappé. Bon, pas l'esprit, je n'aime pas dire que Dieu m'a parlé, cet esprit m'a parlé. J'aime pas ça. Amen. C'est comme si tu achètes conscience des gens. Amen. Avec ça, quand tu dis Dieu m'a parlé, amen. Ça veut dire quoi maintenant? Amen. Ça oblige les gens à forcément dire amen. Amen. Donc, je me dis, un vent m'a frappé. Amen. Et quand le vent m'a frappé, j'ai entendu Jésus, roi des épines. Amen. Amen. Jésus, roi des épines. Amen. Il dit, ah, ok, il est allé voir ce que la Bible en parle. Amen. C'est là que je vois ça dans la Bible. Donc on va en parler un peu. Jésus, roi des épines. Amen, amen. Vous connaissez épines? Amen. Amen. Les herbes du pouce, elles sont piquantes, 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 piquantes. Amen. Si tu es trompé, tu es entré dedans, ils vont te déchirer. C'est juste. Amen, c'est juste. Donc, c'est un truc comme ça que Jésus est le roi de ça. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, je supporte pas la chaleur. Amen. Ce qui fait que quand j'étais un peu, quand ça allait un peu, amen. Puis si on ne peut pas encore payer les factures que le climatiseur va nous faire payer, amen. Donc payer le ventilateur qui sont capables de nous faire quelque chose. Amen. Donc on dort tellement sous ventilateur. Toute la journée, c'est ventilateur quand le soir. Elle dit, où je suis seulement pour que le ventilateur me suive. Amen. La nuit pour dormir, il y a au moins 2 à 3 ventilateurs. Amen. Qui nous suivent. T'as dit sur le lit, il dit pas les enfants. Les enfants ont prouvé là-bas. Moi j'ai sur le lit, au moins 2 à 3 ventilateurs. Amen. Amen. Pour m'assurer que la fraîcheur sera totale. Amen. Même quand les frères me conseillent de mettre au moustiquaire, ils disent non, ça apporte la chaleur. Amen. Tellement je lutte contre la chaleur, malgré qu'il y a ventilateur, je ne mets pas moustiquaire. Amen. Aujourd'hui, je me retrouve dans une maison où il n'y a même pas plafond, le toit est perforé partout. Amen. Et c'est très coincé. Amen, amen. Donc, difficile même de chercher la fraîcheur dans une maison comme ça. C'est qu'il fait très chaud dedans. Amen. Et c'est là même qu'il n'y a pas courant. Amen. Donc tu ne peux même pas penser à ventilateur. Quand tes ventilateurs sont garés là, il ne peut rien t'apporter. Amen. Et là, on est couché là. Amen. Avec la chaleur, le moustique ne nous laisse pas. Les maisons comme ça, vous savez, ça va que c'est les maisons des moustiques aussi. C'est juste. Vous êtes là, vous voulez la même place dans la même maison. Amen. Et là, on est obligé maintenant de mettre encore moustiquaire. Amen. Donc, chaleur et on complète moustiquaire sans solution d'un petit truc pour vous siffler. Amen. Donc, tout ton totem, tu es en train de subir ça dans une situation très compliquée. Amen. C'est juste. Amen. Et qui fait que dans la journée, toute ma journée, je fais ça au dehors. Amen. Un petit arbre en face de la maison. Quand je sors le matin, 7h, je suis assis là-bas. Amen. Je fais tout là-bas. Midi, s'il y a à manger, c'est là-bas, on va m'envoyer. Amen. Et je suis là, oh, en temps normal, entre 14h et 16h, je fais un peu de sieste. Amen. Je vais méditer un peu, et puis si sieste me prend, c'est ça. Mais là, on ne peut plus faire ça. 14h, tu ne peux pas rentrer dans la maison là. Quand je suis assis en bas des laves là, je suis là et je suis là. Amen. Donc si le sommeil me prend, je suis assis dans les chaises là, en bas des laves. Amen. Donc toute ma solution là, c'était l'arbre là. Amen. Un bon matin, les tracteurs sont venus. Jésus, ils sont là tracés, voir dans le quartier.
rapidement, ils ont tout capté les voies rapidement pour arriver chez moi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Rapidement, ils ont capté les voies. Au lieu d'arranger bien pour aller, pour prendre leur temps. Hein, comme on peut ça, ils ont porté ça rapidement pour aller trouver mon petit bois au fond là-bas. Amen. Par ici, ils devaient prendre leur temps pour faire, peut-être dans un mois, ils vont nous trouver là-bas pour c'est casser le bois. Rapidement, le même jour, ils sont arrivés là-bas, boum. Ils sont dessus, ils sont cassés, forcés. Machine qui est venue, elle ne mouait pas ça. Amen. J'ai dit à l'homme de machine, il faut laisser. De toute façon, c'est pas trop sur la route. Ça là, qui va passer ici? Ça là, c'est pas route même. Amen. Il m'a compris, il est parti. Puis c'est sa machine même, moins pas. Amen. Le lendemain matin, ils sont venus avec un costaud. Amen. Quand tu vois, tu sais que lui là, c'est un piton. Amen, amen. Boum, boum, ils ont fait tomber le bois. Amen, amen. Amen. Donc maintenant, quand je sors, c'est soleil jusqu'à soleil. Amen. Je ne sais pas où il y a abri. Le petit manger qui est derrière lui ne donne pas abri. Amen. 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 Donc, vous voyez, parce qu'il y a une ville qu'on appelle Ninive. Amen. Dieu avait envoyé Jonas là-bas. Jonas dit, partez pas. Et il est parti se retrouver dans le ventre d'un poisson. Amen. Amen. Le poisson est parti vomir Jonas. Amen. Au bord de l'eau. Amen. Ça trouvait que ce jour-là, les gens de la ville étaient venus adorer leur poisson. Amen. Et quand il a vomi Jonas ce jour-là, ils ont vu Jonas comme leur Dieu. Amen. Donc quand Jonas a commencé à se promener dans la ville, pour dire qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur le peuple ville. Amen. Amen. Il n'y avait pas moyen qu'il n'allait pas accepter ce que Jonas disait. Sérieux, sérieux, amen. Oui. Parce qu'il voyait Jonas comme le Dieu. Amen. Jonas est sorti de la ville. Jonas était fâché que Dieu n'a pas puni Ninive. Amen. 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 Dieu a fait pousser un petit arbre sur sa tête. Il lui a donné ombre. Il était à l'aise. Amen. Le lendemain matin, Dieu a piqué. Hein, il a envoyé sa machine à son tracteur. Amen, amen. Hein, un petit chenille là, qui est venu piquer l'arbre. Même lui, là, l'arbre là est mort. 8h, 9h, 10h, le soleil a tapé le crâne de Jonas. Amen. Il dit, Dieu peut me tuer maintenant. Dieu veut l'expliquer, il dit, je ne veux rien comprendre. Amen. Tu me prends maintenant. Amen. Amen, amen. Good. Mais Jonas n'a pas compris. Sérieux. Amen. Quand Dieu avait dit à Jonas que j'ai pardonné Ninive, Dieu, il ne sait pas que c'est à cause de Jonas qu'il a pardonné Ninive. Oui. Amen. 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 Jonas était dans le poisson qui était leur Dieu. Amen. Et quand Jonas est sorti du poisson, ils ont adoré Jonas comme leur Dieu. Et Dieu dit, voici la chose juste que vous devez faire. Amen. Amen. Comme vous êtes adoré Jonas comme leur propre Dieu, moi Dieu, je suis content. Amen. Et je ne vais plus vous punir. Amen. 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 Tout le monde est en train d'adorer Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus est le gros poisson. C'est juste, c'est juste. Vitamine. Amen, amen. Il est le poisson de tous ces païens. Amen, amen. Mais ce grand Jésus poisson doit faire sortir quelqu'un de sa bouche. Sérieux. Il doit vomir quelqu'un de sa bouche. Amen. Et cette personne qui sort de sa bouche.
Jésus. Amen. Si toi tu commences à adorer cette personne, amen, le poisson dit c'est moi qui est en train d'adorer. Toutes les malédictions que j'avais prévues sur ta vie, amen, je l'arrête maintenant. Amen. Ça prend fin maintenant. Oui. Parce que grâce à toi, amen, grâce à toi, Jonas, tu as pris un chemin. Amen. Tu es entré dans mon ventre. Amen. Tu es sorti du poisson. Amen. Quand tu es sorti, ça a amené les gens. Tu n'étais même pas prêt à écouter Jésus. Amen. Tu n'étais même pas prêt à écouter le Dieu d'Israël. Amen. À écouter le Dieu d'Israël. Amen. Dans le cheval même que Jonas avait choisi. Amen. S'il était parti directement à Ninive, il n'allait pas se retrouver dans le vent du poisson. Amen. Donc quand Jonas se plaignait sur Dieu, c'était lui-même qui avait donné cette chance-là à Jonas. Amen. Aux gens de Ninive. Amen. Dites amen. Amen. Glory. Le roi des épis. Amen. Quand Dieu a créé toutes choses, amen, il a dit à Adam, il y avait un totem à ne pas faire, et ils ont fait le totem. Amen. Et Dieu les a dit, comme vous avez péché, amen, la terre ne va plus produire en temps normal ce qui vous donne gratuitement. Amen. Mais ça a commencé à pousser des épines partout. Amen. Donc l'épine est un signe de malédiction. Amen, amen. Amen. C'est juste, amen. Quand ta terre commence à pousser les ronces, les mauvaises herbes, amen, c'est un signe que la terre ne peut plus rien te donner, la maudite. Amen. 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 Ils ont apparu par la malédiction que Dieu a prononcée sur la terre. Amen. Avant ce temps, les épines n'existaient pas. Amen. Dites amen. Amen. Et Dieu devait parler à Moïse. Dieu dit à Moïse, Dieu descend sur un buisson. Amen. Amen. Parce que, amen. 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 Dieu n'aime pas descendre là où les gens considèrent. Dieu est descendu dans un buisson. Parce que moi, Dieu le Tout-Puissant. Amen. Je descends là où l'homme ne veut pas mettre son pied. Amen. Là, l'homme ne veut pas entrer. Alléluia. Là, l'homme qui ne veut pas être en contact avec les cieux. Amen, amen. C'est là-bas que Dieu se trouve. Amen. Et Dieu va se mettre dans les herbes et puis il va te parler. Amen. Amen. Mais nous savons tous que nous tous, on n'aime pas les herbes. Sérieusement. Tout à l'heure, tu vas dire à quelqu'un, il faut rentrer dans les herbes, sa démarche va changer. Amen. Il va marcher comme un voleur qui est en train de marcher. Amen. Or, pourtant, Dieu est dans les herbes. Amen. Dites amen. Amen. Glory. Quand Dieu descendait comme un buisson Adam, il était sur un buisson Adam, il disait à Moïse que je suis en train de t'envoyer pour apporter un jugement. Amen. Dites amen. Amen. Descendre sur un buisson Adam, c'est signe de jugement. Glory. Tu avais dit au peuple d'Israël, vous voyez le pays que je vous ai donné, amen, vous devez entrer dedans, mais tuer tous vos ennemis. Amen. Ne laissez pas un seul vivant. Amen. Si jamais vous tuez certains, vous laissez certains au milieu de vous, amen, il sera comme des épines dans vos yeux, sur vos yeux, amen, et un fouet à votre côte. Amen. 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 Alors, on comprend que le fait même de parler d'épines, c'est marque de malédiction. Si les enfants d'Israël laissaient un de leurs ennemis au milieu d'eux et qu'ils n'acceptaient pas de les tuer, ils devenaient un mauvais cerf. Amen. Un mauvais cerf plein d'épines qui va leur apporter malheur après malheur. Amen. 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 C'est un message bizarre. Je crois que ça va passer. Amen. Amen. Donc, les enfants d'Israël devaient faire attention à tout ce qui les arrivait, grâce à tous ceux qui étaient au milieu d'eux. Amen.
mais qui étaient comme des mauvais gerbes au milieu d'eux. Dans le jardin de Eden que Dieu avait créé, les mauvais gerbes ne devaient pas exister dedans. C'est par désobéissance, comme Adam a fait, qu'il y a trouvé des ronces, des mauvaises herbes, des épines. Cette même désobéissance du peuple d'Israël, en laissant quelques ennemis au milieu d'eux, ces ennemis deviennent des mauvaises herbes au milieu d'eux. Amen. Alors, nous voyons que. Amen. Dieu va prêcher sa chose. Nous voyons que dans le schéma, il y a un enfant qui s'appelle Abimelech. Amen. Et cet enfant est parti tuer tous ses frères du nombre de 70. Amen. Et quand il tuait ses frères, il y a le plus petit qui s'est échappé. Il s'appelle Jonathan, il s'est échappé. Et puisque Abimelech a tué tous ses frères, parce que c'est les enfants-là étaient les enfants de Gédéon. Gédéon qui avait libéré le peuple, Gédéon le grand guerrier, ses enfants, il y avait un des gens qui était rebelle, parce que lui, il était né d'une femme ailleurs. Et il est venu tuer ses frères 70 pour prendre le pouvoir. Amen. Alors, le peuple qui était là l'a nommé comme roi. L'a nommé comme chef au-dessus d'eux. Et en tuant les 70, le plus petit, le dernier qui s'est échappé, amen, il a vu que le peuple a nommé lui qui a tué ses frères là chef roi. Certainement chef, un truc comme ça. Amen. Et c'est là que il est venu se mettre sur la montagne. Amen. Et il a crié pour parler à tout le peuple qui était rassemblé. Amen. Il criait à haute voix. Et il dit, les arbres ont dit à l'olivier, amen, de venir régner sur nous. Amen. L'olivier dit, mais je ne peux pas régner sur vous. Moi, je produis de l'huile. C'est ça, l'huile. Amen. Amen. Oui. Je produis de l'huile. Et mon huile fait du bien à Dieu, fait du bien aux hommes. Amen. Comment moi je vais partir régner sur les arbres? Amen. Mais là, ce que l'olivier est en train de parler, nous voyons qu'il s'agit de la même personne. Amen. Amen. Les arbres typifient les êtres humains. Amen. Les hommes sont toujours les êtres humains. L'olivier dit, moi je ne règne pas sur les hommes, je vais régner sur les hommes. Dites amen. Il s'en va voir le figuier. Il dit au figuier, il faut venir régner sur nous. Les mêmes arbres. Le figuier dit, mon fruit est tout excellent, ça nourrit les hommes, Dieu aime ça. Comment moi je vais aller planer, régner sur les arbres? Le figuier dit, je vais donner mon fruit aux hommes, mais je ne donne pas mes fruits aux hommes. Amen, amen. Amen. Il dit là, ils s'en vont parler aux vignes. Il dit, vigne, règne sur nous. Amen. Le vigne aussi dit, moi, je produis du vin. Amen. Et Dieu
aiment mon vin et les hommes aiment mon vin. Amen, amen. Comment je vais aller régner sur vous? Amen. Amen. Alors nous voyons qu'il y a des êtres humains sur la terre ici qui ont besoin d'un chef. Amen. Qui ont besoin que quelqu'un règne sur eux. Amen. Mais nous, tu ne méritons pas ce qui doit venir régner sur eux. Amen, amen. Oui. Dites amen. Amen, amen. 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 Quand Jonas était entré dans Ninive, comme un Dieu vivant, amen. Comme un Dieu qui prêchait à un peuple vivant, amen. Tout Ninive a été sauvé. Amen. Quand Dieu envoie un prophète, du vivant du prophète, les gens ne la servent pas comme leur roi, amen, comme leur Dieu, oui. Comme quelqu'un qui plane sur eux, amen, amen. Qui règne sur eux. Amen. Ils attendent qu'il meure. Amen. Quand il finit de mourir, c'est là maintenant qu'il prend son vieux esprit pour venir régner sur eux. Amen. 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 C'est un message un peu compliqué et bizarre. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, vous les pharisiens, vous tuez les prophètes. Et après leur mort, c'est vous qui venez déposer les fleurs, lancer leur nom partout le monde entier, que c'était un envoyé de Dieu. Amen. Mais de son vivant, vous l'avez tué. Jésus a dit aux pharisiens, ce que vos pères ont fait, vous allez faire ça, la coupe va remplir. Amen. Et Dieu maintenant va vous chicoter. Oui. Amen. Il dit, c'est ce que leur père ont fait. Donc ce que leur père faisait avant, ça les a rattrapés toujours. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans le peuple d'Israël, tous les enfants qui naissent, le huitième jour, on partait couper leur prépuce. Pour enlever le superflu de la chair. Oui. Amen. Mais spirituellement, quand les gens évoluaient, ils gardaient le superflu de la chair. Amen. De telle sorte que ce que leurs parents faisaient avant, il le répète toujours. Amen. 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 Jésus était au milieu d'eux. Jésus, en tant que l'olivier, il voulait planer sur eux avec son huile. Ils disent, on ne veut pas de ton huile. Amen. 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 Le même Jésus, en tant que le figuier, qui donne lui son fruit. Amen. Le fruit était devant eux. Il était le fruit de la maturité de l'Ancien Testament. Le même Jésus était le fruit du figuier. Mais le peuple d'Israël a refusé le fruit. Ils disent, on ne veut pas de toi pour régner sur nous. Le même Jésus prenait la loi, il transformait ça pour devenir du vin. Amen. 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 Il prenait l'eau de la parole, l'eau de la loi, il transformait, ça devenait du vin. Amen. Donc le même Jésus était la vigne. Amen.
Il parlait les paroles de Moïse par révélation. Amen. Pour donner au peuple. Il dit, ils ne veulent pas s'assier. Amen. Ils ne veulent ni le figuier, ils ne veulent ni le vin, ils ne veulent ni l'olivier. Amen. Vous allez comprendre que c'est eux qui ne veulent pas. Amen. Amen. Le petit qui est venu parler, c'est ses frères qui sont les 70 qui devaient régner sur le peuple. Le peuple n'a pas voulu que ces 70 ans règnent sur eux. Amen. Et ils ont soutenu Abimelech pour venir les tuer. Amen. Donc ces 70, dans le discours de cet enfant, ça représentait l'huile, ça représentait le vin, ça représentait le fruit. Amen, amen. 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 Et le peuple a refusé. Jésus était les trois choses du vivant de Jésus. Au moins Jésus marchait au milieu d'eux, plein de puissance, plein de révélation. Où le Saint-Esprit lui-même coulait en lui librement. Les gens touchaient ça à distance pour être guéris. Les gens disent, ils ne veulent pas. Ils ont attrapé Jésus. Ils ont dépouillé Jésus. Ils ont enlevé son habit. Ils l'ont déshabillé nu. Tout ce que Jésus était, ils ont tout enlevé. Ils ont pris l'habit de leur roi. Je ne sais pas où c'est quitté. C'est pour Hérode ou quoi. Ils ont mis ça sur Jésus. Amen. Ils sont allés fabriquer une couronne d'épines. Les bois piquants, ils ont tissé ça pour faire couronne et ils ont mis ça sur la tête de Jésus. Amen. Amen. C'est là maintenant qu'ils se mettent en genoux devant lui, le roi des Juifs. Amen. Amen. Quand Jésus marchait sur la terre et puis prêchait la parole pleine de révélation, il disait que ce n'était pas le roi des Juifs. Quand Jésus était la plénitude de la parole parlée par Moïse, le fruit sorti de la loi, que lui-même, comme Gabriel avait dit à Marie, que le fruit de tes entrailles, donc c'était un fruit qui venait. Que tout le peuple devrait en manger pour vivre éternellement. Le fruit de l'arbre de vie. Amen. Mais ils ont refusé le fruit. Jésus en pleine manifestation, comme quand Jonas est entré en plein Ninive. Et Jonas était en pleine prédication. Tout feu, tout flamme, Ninive a accepté. Tout amen. Qu'ils avaient un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui marchait au milieu d'eux. Un Dieu qui parlait séance tenante et qui s'écoutait. Ils adoraient ce Dieu-là. Amen. Que c'était un Dieu manifesté. Dites amen. 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 Les gens ne veulent pas couper leur prépuce. Le prépuce se coupe pas le 8e jour. Amen. Ça se coupe pas le 7e jour. Amen. Tu t'arrêtes au 7e jour, tu as encore ton prépuce. Tu es sale devant Dieu. Amen. Dieu ne fait rien à toi. Amen. Il n'y a pas de sainte convocation avec ce peuple. Oui. Mais un 8e jour où tous les enfants qui sont nés spirituellement dans le royaume de Dieu, ce 8e jour là, c'est là-bas qu'on s'en va enlever leur prépuce, tous les superflus. Dites amen. Oui. Les gens ont gardé. Amen, amen. Ils ont refusé d'entrer dans le 8e jour. Amen. Ils ont gardé cela. Donc le prépuce est sur eux. Donc ce que leurs parents ont fait avant, ils vont le répéter. Amen. Dites amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas été circoncis. Ils n'ont pas été coupés de ce que leurs parents faisaient avant. Amen. Oui. Amen. 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 Ninive était un peuple spirituel. Amen. Un peuple spirituel qui est la dénomination. Un peuple spirituel que les pharisiens. Amen. Ninive était un peuple spirituel que les gens du message. Amen. Dites amen.
Mais il était un peuple circoncis. Amen. Ils vont dire c'est les païens, ils n'étaient pas circoncis. Moi, je ne parle pas de ta circoncision physique là. Amen. Ninive était un peuple circoncis. Pourquoi il était un peuple circoncis? Parce qu'ils adoraient Dieu. Oui. Ce Dieu était dans une forme de poisson. Salut. Ils adoraient ce Dieu-là. Amen. Mais quand ce Dieu a changé de forme, amen, qu'il a commencé à marcher au milieu d'eux, oui, ils n'ont pas dit on ne te reconnaît pas. Oui. Non, Dieu là, c'est pas sa forme. C'est parce qu'ils ont cherché. Amen. Et ils ne se collent pas à la chair. Amen. Et ils se collaient à l'esprit. Dites amen. Ils étaient circoncis de la chair. Amen. Quand les gens disent que nous on est collés sur Branham, c'est Branham seulement on connaît. Après Branham on connaît personne. Amen. Mais Branham c'est le grand poisson. Il faut prendre ce qui est sorti de Branham. Oui. Mais il n'y a pas le visage. Amen. Mais il n'y a pas la forme. Amen. Mais regarde lui qui est sorti de la bouche de Branham. Poisson n'a pas été jaloux. Amen. Dites amen. Amen. Mais le peuple n'est pas si concis. Comme la Bible dit, le cœur n'est pas si concis. Ils ont gardé le même comportement de leurs parents. Amen. Oui, tous les messagers du vivant. Et c'est quand il meurt qu'il devient roi. Amen. Quand Jésus n'était plus ce qu'il était, amen, c'est là qu'il est devenu le roi. Amen. Pilate est venu. Amen. Pilate a écrit sur le tableau, amen, Jésus, roi des Juifs. Sérieux, il a écrit en trois langues, amen, en hébreu, en grec et puis en latin. Amen. Pour que tout le monde va voir ça. Amen. Il a écrit ça sur le tableau. Amen, amen. Donc où on devait le crucifier, ils ont pointé ça sur la, en haut de la tête de Jésus. Sérieux. Et Jésus était placé de telle sorte que même tout le monde qui passait, amen, pouvait voir ce qui était écrit dessus. Amen. Les pharisiens sont venus dire à Pilate. Amen. Ils ont dit Pilate, il ne faut pas écrire Jésus, roi des Juifs. Amen. Il faut écrire, il dit qu'il est roi des Juifs. Amen. Dites amen. Amen. Vous voyez? Amen. Il dit, il ne faut pas écrire que Jésus, roi de Dieu, c'est une affirmation. Amen. Il faut dire, il faut écrire Jésus qu'il dit qu'il est roi de Dieu. Amen. Amen. Puis là, il dit, ce que j'ai écrit. Amen. Oui. Alléluia. Et ça a été marqué dans la tête de tout le monde. Amen. Que ce monsieur qui est mort au tableau là-bas, c'est lui le roi des Juifs. Amen. Mais il est déjà mort. Amen. Il est déjà cloué. Oui. Il ne peut plus t'aider. Amen. Il est le roi des épines. Amen. Dites amen. Amen. Ils sont pris des épines. Le peuple a dit. Amen. Ok. On n'a pas eu l'huile. On n'a pas eu le fruit. Amen. On n'a pas eu le vin. Amen. Donc on s'en va chez l'herbe, le buisson d'épines. Ils sont allés dire au buisson d'épines. Amen. Faut régner sur nous. Amen. Là, la Bible dit, elle touche. J'étais très motivé parce que là, c'était leur onction. Amen. Amen. Ils ont dit au roi aux herbes d'épines. Amen. Règne sur nous. Le roi de Pilate dit, ok, si c'est de bonne foi, il n'y a pas de problème, moi je règne sur vous. Amen. Seulement qu'il y a un feu qui va sortir de moi. Amen. Parce que l'épine, c'est le jugement. Vous m'avez choisi, moi je suis le jugement. Moi je ne fais pas couler de l'huile comme l'olivier. Amen. Moi je ne fais pas sortir le fruit comme le figuier. Amen. Moi je ne fais pas sortir le vin comme la vie. Amen. De moi sort le feu. Amen. Dites amen. Oui. Bon, un feu va sortir de moi. Amen. Ça va dévorer à gauche, ça va dévorer à droite. Amen. Dites amen. Amen. Et c'est là que Jésus est mort à la croix. Comme les il est mort comme le roi des épines. Il est mort comme le roi des buissons. Parce que Dieu commence là où il termine. Amen. 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 Jésus, Dieu savait qu'un jugement allait s'abattre sur Israël. Amen, amen. Il ne peut pas venir dans les bonnes conditions.
il est venu s'asseoir sur la malédiction. Sur les herbes. Tu devrais la malédiction depuis le jardin des pères. Dieu ne pose pas les pas au hasard. Comme à tes malédictions, dans le message, ils sont aveugles. Tu n'es pas du prophète, il néglige tout. Dis amen. Dieu n'a pas posé son pas dans les herbes au hasard. Amen. Il sait pourquoi il est venu sur les herbes. Les herbes représentent la malédiction. On a quoi la loi ne fait rien faire à quelqu'un. Ce qu'il a donné à partir de là n'a pas été quelqu'un. Dis amen. Il faut que ça soit remplacé. Ça a terminé par la malédiction. Le peuple d'Israël a été maudit. Finalement, déporté. Finalement, ils ont perdu leur pays. Quand Jésus est né dans les herbes. Donc, c'est sur les herbes qu'il était couché. Sur des buissons. Déjà, Jésus parlait à ce peuple. Que moi, que vous me voyez là, je suis un jugement. Amen. Dites amen. Amen. Je suis un jugement comme ça prononcé devant vous. Je viens sur les herbes, je vais terminer avec les herbes. Et le jour là, quand sa maman Marie devait voir l'épine dressée sur la tête de Jésus, elle devait savoir qu'il est là terminé là où il a commencé. Il a commencé sur les herbes, il est là terminé sur les herbes. Comme le prophète Branham a commencé. La colonne de feu a commencé dans une petite cabane. Et il a terminé dans une petite cabane. Et les gens sont en train de regarder cette cathédrale. Que actuellement à Kentucky. Mais ce n'est pas la cathédrale. Il dit je termine là où j'ai commencé. Ça sera le jugement. Tout amen. Amen. C'est un corps que Dieu utilise. Dieu quitte en haut. Il descend sur les herbes. Il descend sur la malédiction. Il descend sur un corps. Et puis il commence à proclamer la parole. Mais quand tu vois ce corps est un feu de Fora. C'est un feu qui sort de lui. Parce que Dieu lui-même, il est tout amour. Mais quand il devient humain, là il devient dangereux. Dites amen. Amen. Jonas était entré dans la ville. Il était donné l'homme le plus aimé de la ville. Mais Jonas n'a pas aimé le changement des décisions de Dieu. Dieu dit, je ne suis plus Ninive. Parce que Ninive s'est prosterné devant moi. Et le prophète Branham dit, Ninive était devenu le Dieu parce qu'ils adoraient le poisson. Amen. Et en voyant Jonas sortir du poisson, c'est le Dieu qui a fait sortir son fils. Alors, ils doivent adorer ce même fils. Alors, Jonas, tout ce qui sortait de sa bouche, il devait dire Amen. Changer, il devait dire Amen. Il ne connaissait pas Jéhovah. Il ne connaissait pas le peuple. Le peuple d'Israël avec leur Dieu. Ils n'ont pas fait à ça. C'est pour ça qu'ils sont idolâtres. Ils adorent une création. Amen. Donc, quand il disait Amen à Jonas, ce n'était pas Amen à Jéhovah. Amen. 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 Donc, quand Jonas disait, dans 3 jours, Dieu va descendre une vengeance sur ce peuple, il disait Amen. Il regardait leur poisson. Amen. Il ne regardait pas Dieu d'Israël. Amen. 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 Et la soumission à Jonas, de façon ignorée, et Dieu ne m'a signifié ça à Jonas, c'est un peuple qui ne veut pas faire la différence entre sa main gauche et sa main droite. Donc c'est un peuple cafouillé. De telle sorte qu'ils sont en train d'adorer un Dieu qui ne savent même pas que ça n'a rien à voir avec le poisson. Amen. Ils ne savent pas faire la différence. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de connaître Branham. Vous n'avez pas besoin de connaître Jésus. Amen. Dites amen. Amen. Il faut être un idolâtre. Amen. Nous sommes les gens de Ninive.
Ninive, c'est une ville spéciale. C'est un peuple spécial. Qui n'a pas regardé la forme. Qui n'a pas regardé le visage. Qui n'a pas regardé que celui qui est sorti, ça fait trois lui, il ne mange pas. Il n'a pas regardé qu'il est rempli de morve sur lui. Il n'a pas regardé que le monsieur là, il est très vilain. Ils n'ont pas regardé ça. Ils ont cru en tout ce qui sortait de sa bouche. Qui était différent même de ce que le poisson disait. Dites amis, il faut être comme les Ninives. Il faut être comme les gens des Ninivites. Et ils n'ont jamais vu Branham. Ils n'ont jamais même lu Proshu. Quelqu'un ici, même d'autres, même n'ont jamais lu Proshu. Même photo de Branham. Pas les gens disent qu'on doit entendre voix de Branham. Amen. Vous n'avez pas de contrat. Pas les gens en réalité. Il faut être circoncis des cœurs. Quand on écoute la bande de Branham, on peut répéter ça dans l'église. Amen. C'est très bon. Amen. Mais si c'est dans la pensée de lier ces personnes-là au prophète, là ça devient de l'idolâtrie mal placée. Amen. Les gens sont idolâtres. Ciao. Nos parents ont fait ça dans le passé. Amen. C'est pas mon message. Ce que vous voulez prêcher là, c'est pas ça. Amen. Parce que si quelqu'un vous dit que vos pasteurs là, ils fabriquent des révélations, c'est dangereux. Amen. Praise the Lord. Amen. C'est quelque chose que je n'ai jamais pensé. Jésus, roi des pines, je n'ai jamais pensé. Amen. Nos parents au village. Amen. Quand tu avais eux, tu marches avec eux, ils ne te considèrent pas. Sérieux. Amen. Le jour du temps, tu es mort, ils viennent verser les coutoukous sur toi, les bandits, les liqueurs pour prier en ton nom. Amen. Quand ils ont fait leur record d'igname avant qu'ils vont manger, c'est toi qui dois venir manger d'abord. Sérieux. Amen. Or, quand tu étais là, quand ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas que tu manges. Sérieux. Amen. Maintenant que tu es mort, tu dois être le premier à manger. Amen. Amen. Donc, nos parents ont pris ça depuis leurs aïeux, depuis l'Égypte, depuis Israël. Amen. Donc, ça a coulé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Du vivant de la personne, on ne peut pas accepter son huile. Sérieux. On ne peut pas accepter sa révélation. Amen. On ne peut pas accepter son fruit. Amen. On n'a qu'à attendre qu'il va mourir. C'est là qu'il devient une malédiction. Oui. Il devient une épine. C'est là qu'on dit c'est toi et prends. Amen. Vitamine. Amen. Quand Jésus était couvert sur la croix, Jésus était devenu une malédiction. Mais quand les gens regardaient Jésus, ils voyaient que c'était maintenant le roi des Juifs. Amen. 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 N'attends pas Dieu dans un être qui ne vit plus. C'est juste. Amen. 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 Tu dois adorer Dieu dans un être vivant. Oui. Amen. Amen. La puissance de la parole, amen. Amen. Il y a une chose. Amen. La puissance, c'est très bien. Amen. Mais c'est un problème. Amen. Luther, Martin Luther. Amen. Un jour, dans ses consécrations, dans ses expériences avec Dieu, amen, il a parlé en langue. Avant que le temps de l'explosion de ça va arriver, déjà lui en sautant, il a parlé en langue. Mais il n'enseignait jamais ça à ses gens. Amen. Et il y a un de ces gars qui a dit, mais tu as parlé en langue, tu enseignes dessus, les gens m'ont fait. Il a dit non. Amen. Si je parle de ça, les gens vont se courir sur les dons. Au lieu de se courir sur la personne elle-même. Amen, amen. Amen. Donc, il n'a jamais parlé de ça jusqu'à son ministère fini en tant que messager. Amen. Quand Jésus était venu, tu n'es pas plus puissant que Moïse. Amen. Amen. Les miracles que tu vas faire aujourd'hui, ça ne peut pas égaler entre petit orteil de Moïse. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La puissance que Moïse a manifestée sur la terre ici,
pourra pas, tout ce que tu as manifesté, on va mettre beaucoup tous ensemble. Ça ne vaut pas entre même des orteils de Moïse. Il a divisé la mer rouge. Il a fait que sur la terre ici, un côté était noir, un côté était clair. Mais c'était le peuple le plus incrédule. C'est juste, amen. La puissance là, c'est pas été. C'est juste. La puissance les a aveuglés. C'est juste. Oui. Amen, amen. Quelqu'un qui prononce la parole, les mousses sortent. Ça rentre partout, sauf dans eux les camps. Amen, amen. Il a prononcé la parole. La mort a frappé tous les premiers-nés de toutes les familles dans l'Égypte, sauf les premiers-nés en Israël. Oui. Même les premiers-nés de moutons, cabris, poulets, tout et tout, ils étaient morts. Moïse a fait ça. Amen. Mais eux tous, ils sont morts dans le désert avec ces miracles. Jésus lui-même, il est arrivé. Il ressuscite les morts. Il fait marcher les boiteux. Amen. Des milliers sur l'église étaient remplis. Amen. Hein? Les gens veulent remplir l'église à Amira. Amen. C'est ce que Moïse a fait. Amen. Si Moïse n'avait pas fait tous ces miracles-là, tu penses que la multitude allait le suivre? Amen. Peut-être qu'il allait sortir sa famille seulement. Amen. Myriam, Aaron, ses parents et puis seuls, puis tout le monde restait. Amen. Quelle que soit la parole qu'il allait prêcher, il n'y avait pas miracle, la multitude n'allait pas le suivre. Amen. C'est parce qu'il a fait des miracles que la multitude s'est parcourue pour sortir avec lui. Amen. Mais la multitude là, un coup ils sont morts. Personne n'est arrivé à la terre promise. Amen, amen. Oui. Si Moïse devait revenir pour faire sortir un peuple, il ne va plus faire miracle. C'est juste. Amen. Il préfère parler, Josué va croire, Caleb va croire. Amen. Puis il dit, allons-y. Amen. Là, je fais 100%. C'est juste. Au lieu d'avoir les batailles sur la route avec les gens, des ramassis par puissance. C'est juste. Amen. Quand Jésus a commencé, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, amen. Il multipliait les pains, amen. Les gens mangeaient partout. Amen. Il s'en va à la pêche, il parle. Amen. Poisson vient partout. Amen. Oui. Jésus voit bateau, il laisse bateau, il marche sur l'eau. Amen, amen. Mais ça n'a pas été quelqu'un. Amen, Jésus. Amen. Oui. Jésus devait les enseigner en dehors des miracles. Amen, amen, amen. Un peuple spécial à côté. Amen. Où il dit, je vous dis ces choses pour que quand ça va arriver, amen. Parce que quand ça va arriver, les miracles ne vont pas vous aider ici. Amen, amen, amen. Oui. Vous m'avez vu marcher sur l'eau. Mais tant que je n'ai pas parlé tout ce que je parle là, les miracles ne vont pas vous aider. Les miracles n'ont pas été touchés là. Amen. Alors, il était obligé de les enseigner en secret. Mais Jésus avait une mission. Jésus dit qu'il est venu parler afin que les gens ne comprennent pas. Il était là pour les montrer afin qu'ils ne voient rien. Amen. Amen. Afin qu'en entendant, ils n'entendent rien. Amen. Donc Jésus devait répéter ce que Moïse a fait. Amen. Miracle après miracle, miracle après miracle, miracle après miracle. Il sait qu'il est en train d'enduire le cœur. C'est juste. Amen. Un peuple de miracles, c'est un peuple qui est voué en enfer. Amen, amen. Oui. Amen. Quand Branham est arrivé, Malachi 4 dit, la guérison sera sous ses ailes. Amen. Mais les méchants ne comprennent rien. Amen. Amen. Amen.
Avec tous les miracles que Malachi 4 a fait, comment se fait-il que les gens n'ont pas cru en lui? Amen. Amen. Tous les signes surnaturels qui se sont passés et que eux-mêmes ils sont allés identifier dans leur laboratoire, ça les a rendus plus inquiétudes. Eux qui se sont abandonnés Branham, ils ont imité Branham à l'Afrique. Et pas il va arriver ici. Or, quand il est venu ici, tous les gens étaient guéris. Amen. Amen. Combien de camions? Tous les promoteurs de ces spectacles, ils étaient là. Amen. Mais ça ne les a pas convaincus que Branham était Dieu manifesté en chair. Elle ne pouvait pas guérir pour qu'elle prie pour qu'un simple rhume quitte quelqu'un. Amen. Branham vient des boiteux, des malades, des morts. Des camions, ça prend les paroles seulement. Amen, amen. Maintenant, toi tu es pasteur, tu es là. Toi tu es évangéliste, tu es là. Toi tu es prophète, tu es là. Vous tous, vous faites des plans. Vous avez mis en mission. Sous le nom de cette dénomination. Branham n'a aucune dénomination. Avec tous ces preuves-là, comment vous pouvez écrire les copies, il va venir en Afrique. Ça les a rendus plus incrédules. Amen. Ils n'ont rien cru. Tout ce que Branham prêchait, ils n'entendaient rien. Amen. Amen. Ça les a aveuglés. Amen. Et Branham dit, s'il devait revenir, il va plus commencer par les miracles. C'est juste. Amen. Et il a cité pour Jésus. Amen. Amen. Dieu vous place ici en tant qu'une épouse aux paroles. Amen, amen. Pas une épouse aux miracles. Amen. Une épouse qui vient pour avaler, pour avaler, pour avaler. Amen, amen. Parce que tout ce qui est la parole, vous dites amen. Amen. Vous ne pouvez jamais rétrograder. Votre cœur est ouvert. Oui. Dieu n'a pas aveuglé quelqu'un sur ça. Alléluia. Je suis parti parler à un pasteur pour l'évangéliser. Le pasteur commençait à parler de ses miracles. Il dit, Dieu est avec lui. Amen. Donc, quel que soit ce qu'il lui prêche, que moi je suis venu lui dire que son foi il n'a qu'à changer. Amen. Il a cité les miracles dans sa vie. Il dit, Dieu est avec moi, je ne peux pas aller en enfer. Amen, amen. Glory. Donc, Dieu lui a donné ses miracles pour qu'il soit aveugle. Sérieux. Amen. Amen, amen. Un fidèle qui vient à cette église et puis les boiteux, son pied a coupé et puis on a prié, son pied a poussé et puis après il voit que le pasteur c'est un débouché, que le pasteur c'est un fibrole. Amen. Dit, avant ce qui est sûr, c'est ici, j'ai eu mon travail, je suis là. Quel que soit ce que les gens m'ont dit, mais ton pasteur réunit la parole. Amen. C'est qu'il va ici, il dit blanc là-bas. Amen. Donc les miracles que le pasteur a fait ici à la chair, ça a aveuglé toute l'église. Amen. Amen, amen. Et une multitude vient dans son église, toutes ces multitudes là, Dieu va prendre la terre, ils vont entrer dedans. Amen. Personne ne le pousse aux paroles. Amen. Et Branham dit, amen. Dieu lui a donné trois poules. Amen, amen. Le premier s'est touché la main à la vibration qu'il sent. Amen. Il sait quelle maladie tu as. Et puis il prie, tu guéris. Amen. Amen. Le deuxième poule, c'est discerner ce qui est dans votre tête. Amen, amen. Dans votre vie, passez tout. Puis quand il finit de voir, il prie, tu guéris. Amen. Il se dit, ça c'est les deux premiers poules. Il dit, le troisième est plus grand que tous les autres. Amen. Amen. C'est juste. Il dit, le troisième poule là, c'est l'ouverture de la parole. Oui. Amen. Amen. Il dit, la parole, il n'y a pas plus grand que ça. Sérieux. Il dit, la parole, c'est plus grand que le premier poule et le deuxième poule. Amen. Même vous savez penser de quelqu'un, il dit, quelqu'un qui a l'ouverture de la parole, là, pour lui, est plus grand que ça. Amen. 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 Yes, sir. Amen. 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 Maintenant, comme les gens ne sont pas circoncis dans le cœur, amen. Ils ont des dieux, ils ont des règnes, ils ont des rois. Amen.
des rois d'épines. Donc ils ont rendu Branham comme un roi d'épines. Amen. Amen. Dites amen. Ils ont fait Branham pareil à Jésus. Amen. Jésus de son vivant, les gens ne croyaient pas en lui. Amen. C'est quand il est parti mourir qu'il est devenu roi. Sérieux. Amen. Yes, Branham aussi, depuis qu'il est mort, c'est là que les gens ne sont pas prêts à le laisser. Amen. Il est couru sur la croix, mais les gens disent que c'est lui qu'on connaît. Oui. C'est lui notre roi. Branham dit, laissez-moi, il y a un vivant. Amen. Il dit que nous, on ne te laisse pas. Amen. Tu es notre roi. Amen. Mais le roi t'épine. Il est devenu l'œil épine sur la tête. Dis ta mère, en ce moment, il y a un feu dévorant maintenant qui sort de lui. Amen. Il dit que vous voulez que je sois votre roi. Mais dès que je suis mort, on dit que le peuple vient de pour vous. Amen. Lui, il est devant vous là-bas. Vous avez refusé. L'homme est devant vous. Dites amen. Ils ne sont pas allés demander à quelqu'un d'autre. Eux, ils sont Ab. Ils sont allés demander à Ab. Amen. Les arbres sont allés demander à l'olivier. C'est un autre arbre. Donc un homme demande à l'homme pour régner sur moi. Oui. Dites amen. Le peuple d'homme dit que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme règne sur l'homme. Amen. Or pourtant, c'est lui qui plaçait les prophètes pour régner sur eux. Amen. Alors, il ne faut pas comprendre de façon charnelle. Parce que ça dit, on dit il a contenu le prophète. Oui. Il faut lire la Bible. Amen. 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 Alors les arbres sont partis dire autour de leurs arbres. Quand un homme s'en dit à un autre homme, il faut régner sur moi. Amen. Il dit, mais c'est pas possible. Oui. Moi, je suis là pour les vivants. Yeah. Je ne suis pas un Dieu des morts. Amen. Je suis là pour préparer une épouse spéciale. Amen. Je ne peux pas être là pour régner sur les vieilles forts. Dites amen. Oui. Amen. Amen. Il laisse l'olivier. Il s'en va le piquier. C'est encore un autre arbre. Les arbres, ça envoie encore un autre arbre. Un homme, ça envoie un autre homme. Il dit, mais je vais manger de ton fruit. Donne-moi ton fruit. Viens chez nous. Mon fruit n'est pas pour vous. Amen. Oui. Tout à l'heure. C'est pour les vivants. Amen. Amen. Ce n'est pas pour les épis. Ce n'est pas pour les mauvais chefs. On doit les lier ensemble. C'est le feu tous les jours qui les brûle. Amen. Amen. Yes, hein, la destination des mauvais chefs, c'est quoi? Amen. C'est le feu. Amen. Ils sont partis voir l'homme qui marche. Les arbres sont partis voir un autre arbre qu'on appelle figue. On appelle figue. Lui, il produit le vin. Il est plein de révélations, plein de stimulations. Dis ta main. Amen. Et Dieu l'a placé en troisième position. Amen. Dis ta main. Amen. Amen. Mais ils ne veulent pas. Amen. Quand Dieu s'est manifesté en tant que. Amen. On va identifier ça en tant que les trois étapes. Amen. Dieu s'est manifesté en tant que le cri. Vivant devant eux, ils n'ont pas refusé. Quand il s'est manifesté en tant que la voix de l'archange, vivant devant eux, ils ont refusé. Amen. Et quand il s'est manifesté encore en tant qu'il se manifeste maintenant, en tant que trompette, ils refusent. Ils ont refusé le cri, refusé la voix, refusé la trompette, vivant. Ce que les parents ont fait, quand Branham marchait sur la terre, amen. Ils sont en train de faire la même chose au temps de leurs parents. Amen. 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 Oui. Amen. Dites amen. Amen. Et le fait, l'assimilation. Dites que moi, je ne peux pas régner sur vous. Amen. Je ne peux pas donner ma stimulation aux serfs. Ce n'est pas pour eux. Il y a un peu papa, amen. Un peu spécial, qui a été. Amen. Le huitième jour, dans une seule convocation, là-bas, n'importe qui ne rentre pas. Amen. Ceux qui les peuples ne rentrent pas. Amen. Ceux qui les superflus ne rentrent pas. Amen. C'est là-bas qu'il y a pour le vin pour eux. Tout à l'heure, une seule convocation, amen. Un lieu spécial. Amen. Là-bas, c'est un roi vivant. Amen. Un roi Jonas. Tout à l'heure, un Dieu vivant amen. Qui prêche en direct amen. Et que les gens ne regardent pas son corps, ne regardent pas son visage, amen. Mais ils reconnaissent l'esprit qui est en lui. Amen. Dit amen. Tout se change en poisson. Le même Saint-Esprit. Amen. Il est venu comme colombe de une colombe. Amen. Hein, comme le révélant l'a dit. Oui, il est descendu sur Jésus. Amen. Comme une colombe. Amen. Jean-Baptiste n'a pas dit, je n'ai jamais vu Saint-Esprit en colombe, quand c'est pas ça. Amen, amen. Les incrédules. Amen. Moi, mon premier Saint-Esprit est vu dans ma vie. Amen. Nous, on n'est pas venu en colombe. Amen. Si c'est la même chose qui se répète, là, je vais croire. Amen.
Normalement, Dieu me parle, hein. Donc si Dieu me parle, il m'a parlé, mais il ne m'a pas parlé dans les mêmes circonstances. S'il me parle selon le même modèle, là je vais croire. Amen, amen. Les gens de Ninive, ils n'ont pas regardé la foi. Amen. Comment le poisson croule. Oui. Et puis comment Jonas en parle. Amen. Ils ont regardé l'esprit. Amen. Tant que c'est l'esprit, amen, il faut devenir poisson. Amen. Ils s'en foutent. Il faut devenir bois. Ils s'en foutent. Il faut devenir un être humain. Ils s'en foutent. Lui, il reconnaît son être qui est à l'intérieur. Amen. C'est lui qu'il écoute. Amen. Une voix qui lui parle. C'est ta main. Amen. Ils ne sont pas liés à une cassette. Ils ne sont pas liés à une bande. Amen. Ils ne sont pas liés à un lieu d'un Dieu de l'histoire. Amen. 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 La puissance. Être différent de la révélation de la parole. Amen. 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 Tout ce que nos parents ont prophétisé d'après la Bible, toutes les prophéties données dans la Bible, amen, ça a été poussé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Une révélation qui se donne, qui confirme la Bible de la Genèse de l'Apocalypse, amen, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de faire le travail. Amen. Peut-il être quelque part et puis la puissance n'est pas là? Amen. Amen. Dieu vient quelque part et puis ses attributs ne sont pas là. Amen. Dites amen. Amen. Vous savez, ils sont partis croiser Jésus, les pharisiens. Amen. Jésus était un homme de parole. Amen, amen. Amen. Et aussi de puissance. Les pharisiens étaient des hommes de parole. Amen. Sans puissance. Amen. Ils ont dit on doit aller parler à Jésus pour montrer qu'il est faux devant tout Israël. Ils ne sont pas allés chercher un magicien pour venir faire puissance comme Jésus. Amen. Amen. Ils ont pris la parole de Dieu. Amen. Et puis on s'en va devant Jésus avec. Amen, amen. Sérieux. Si on arrive à démontrer par la parole, amen, que ce n'est pas un envoyé de Dieu, amen, ne peut pas le rejeter malgré ses miracles. C'est juste. Amen, amen. C'est juste, amen. Vous voyez comment les gens sont contraires aujourd'hui? Amen. Amen. Faut-il la vérité? Comment? On demande, mais où est mort que tu as ressuscité? Amen. Amen, amen. 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 C'est pour ça une fois je vous ai dit, quand Dieu dit, quand Dieu dit, je vais vous, hein, vous les hommes, vous allez faire du bien à vos enfants. Amen. Quand est-il de votre Père qui est au ciel? Amen. Amen. Hein, quand il vous demande les choses, vous donnez des bonnes choses. Amen. Et en même temps, on pense que Jésus aussi, il est pressé aussi. L'homme donne voiture, lui aussi donne voiture. Amen. L'homme donne maison, lui aussi donne maison. Amen. L'homme donne l'an de pause, lui aussi les personnes donnent l'an de pause. Amen, amen. Donc tu vas faire concurrence à Satan. Amen. Donc un homme vient, il a l'argent, il paye tout Côte d'Ivoire là, il donne à son fils. Dieu va faire quoi pour dépasser ça? Amen. Il va aller payer Cana aussi pour donner. Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Donc quand il dit que moi, le Père, qu'en est-il de votre Père? C'est-à-dire qu'il va faire de plus grand. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va vous donner voiture. Sérieux. Amen. Oui. Ça, c'est le domaine de Satan. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va vous donner l'argent, amen, maison, vêtements, tout ça. Amen. Ça, c'est le domaine de Satan. Sérieux. Lui, ce qui est bon, il appelle ça la théophanie. Amen. Le domaine que j'ai préparé pour vous. Amen. C'est ça, il va vous donner quelque chose de bon. Amen. Amen. Alors que les pharisiens partaient devant Jésus, amen,
Si tu avais Christ dans la main, qu'il ne savait pas. Qu'il ne pouvait pas venir sur ce terrain. Qu'il venait avec la parole, parce que c'est la parole qui identifie qui est vrai, amen, qui est faux. Oui. Quel que soit des milliers de miracles, si tu as donné une force, tu viens du diable. Amen, amen. Oui. Et c'est là, ils sont partis tenter Jésus sur la parole. Et Jésus les a répondu par la parole. Amen. Amen. Et Jésus les a contrecarrés par la parole. Amen, amen. Jésus les a humiliés par la parole. Amen. Mais la multitude suivait Jésus à cause des miracles. Amen. Amen. Quand Satan est venu devant Jésus, Satan a regardé Jésus. Amen. Il a tenté d'avancer une puissance. Sérieux. Amen. Il dit, comme tu as fait, transforme ce caillou-là en pain, tu vas manger. Amen, amen. Jésus voit que ce n'est pas sur ce terrain-là, lui, il est venu. Sérieux. Sérieux. Sérieux, amen. Il lui a donné que ce n'est pas par miracle qu'on vit, mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Amen, amen. Amen. Pour que Satan va quitter devant Jésus, amen. Jésus a fait trois choses. Satan a dit, il est écrit. Jésus aussi a dit, il est écrit. Amen. Amen. Après, Satan a encore dit, il est écrit. Donc, pour te laisser jeter du ciel, tu vas tomber, les gens vont te porter. Amen. Il dit, non, que tu ne tenteras pas Dieu. Amen. Il est aussi écrit que tu ne t'en diras pas l'éternel ton Dieu. Amen. Amen. Il dit, voyez tout le royaume. Si tu m'adores, je vais te les donner. Amen, amen. Et Jésus a répondu aussi que. Hein, il a répondu quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose que Jésus a dit pour que Satan va quitter devant lui. Amen. Là, il n'a pas dit, il est écrit. Il a dit, arrière de moi, Satan. Amen, amen, amen. Oui. Ça, c'est pas écrit quelque part. Amen. C'est venu comme une inspiration. Amen. Ce n'est pas écrit que quand ça va arriver, il faut dire ça. Amen. Donc, il était confronté à une réalité qui vivait avec Satan. Amen. Donc, la lettre ne chassait pas Satan. Amen. Les citations ne chassaient pas Satan. Amen. Mais dès qu'il a reçu l'inspiration et qu'il a dit « Arrière de moi, Satan », Satan a obéi, c'était une inspiration. Amen. Sérieux. Oui. Amen, amen, amen. On va se tenir debout. Amen, amen, amen. Oui. Amen. Ne poursuivez pas la puissance. Amen. C'est la puissance qui doit vous poursuivre. Oui. Amen, amen. Il ne faut pas aller jusqu'à tomber trop bas. Amen. Sérieux. Amen. Pour poursuivre les miracles. Amen. J'ai une puissance pour les pentecôtistes. Amen, amen. Les églises sont remplies pour que finalement Dieu va fondre la terre. Ils vont entrer dedans. Amen, Jésus. Oui. Ils ne croient en rien. Amen. Et les églises du message sont en train de ressembler à ces églises pentecôtistes. Amen. Amen. L'ouverture de la parole, il dit on n'en veut plus. Amen. Parole, 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 il dit on n'en veut plus. Amen. Message, 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 il dit on n'en veut plus. Amen, amen. Les gens ont faim, ils doivent manger. Amen. Et Jésus te répond, l'homme ne vivra pas seulement que des pains. Amen. Amen. Mais de toute parole qui sort de sa bouche. Amen. Si tu as faim, Dieu ne te soucie pas de ça. Amen. Dieu se soucie de ton âme. Amen. Amen. La foi d'un fils de Dieu travaille pour lui. Amen. On n'a jamais prié ici pour que quelqu'un ait du travail. Amen. 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 On n'a jamais prié pour que quelqu'un prospère. Amen. Amen. Oui. Mais ça, par contre, en cause, c'est le positif. Amen. Amen. Ne vous souciez pas de ça. Amen. Que ça va vous dépasser un jour. Amen. 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 Oui. Amen. Il y a un pasteur qui m'a demandé.
Un pasteur, quelqu'un qui enseigne les pasteurs dénominationnels. Amen. Dans la dénomination. Amen. On causait comme amicalement. Et il m'a demandé, il y a combien de fonctionnaires dans ton église? Amen. Je lui ai dit, il n'y en a pas. Amen. Amen. Il a dit non, que même si ce n'est pas fonctionnaire forcément de l'État, au moins les sociétés là, quelqu'un qui travaille au moins des temps, au moins, et puis qui a un salaire chaque fin du mois, un ouvrier quelque part, au moins un bon salaire, c'est aussi un fonctionnaire. Amen. Je lui ai dit, il n'y en a pas. Amen. Amen. Il dit, mais là, c'est grave. Praise Lord. Amen. Ça n'a jamais été notre souci. Sérieux. Amen. Dieu a le pouvoir de changer l'eau en vin. Oui. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons dit Dieu doit changer l'eau en vin. Amen, amen. Et cette puissance-là, Dieu prend les gens qui sont permis pour en faire quelque chose. Sérieux. On ne poursuit pas les gens qui ont déjà réussi pour venir à l'église. Amen. 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 On poursuit des gens qui ne sont rien. Amen. Amen. Et venez et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Oui. Mais on ne perçoit pas ça. Amen. 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 C'est ce qui s'est passé au temps d'Élie. Amen. Il y avait des prophètes dans le pays qui faisaient assez de miracles. Ils ont pensé qu'ils étaient plus puissants que le Dieu d'Élie. Ils ont arraché tout le peuple. Amen. Derrière eux. Élie était isolé quelque part lui seul. Il a dit, c'est plus la peine, Dieu n'a qu'à les prendre. Amen. Dieu dit, va leur lancer un défi. Amen, amen, amen. Oui. Ce n'est pas une affaire de chercher miracle. Amen. Que le bon acteur soit en toi. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant même soit en toi. Amen, amen. Oui. Toi, tu n'es pas un don, toi, tu es le bon acteur. Amen. Le jour où tu seras en face de quelqu'un qui fait pleuvoir les miracles. Amen. Le jour où Élie était arrivé, amen. Élie a demandé au peuple, à ses prophètes, venez, on va prier, le feu va descendre. Amen. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Amen. Sinon, ils n'allaient pas accepter un défi de mort. La personne qui échoue, on le tue. Amen. Amen. Même le roi Acab a dit à Jézabel, aujourd'hui, Élie va mourir. Amen. Le jour-là, Jézabel était la femme la plus heureuse. Amen. Parce qu'elle savait que ses prophètes allaient accomplir ça. Amen. Parce que c'est les gens des miracles. Sérieux. Amen. Quelqu'un qui ressuscite mort tous les jours, tous les jours. Quelqu'un qui a le coma, il dit, on met ainsi des filles. Il va courir pour venir. Amen. Amen. Et c'est ce jour-là que Élie est venu. Amen. Lui qui n'a jamais fait descendre le feu du ciel. Amen. On dit, où est le Dieu d'Israël, on ne le voit pas. Amen. Il n'a pas de puissance. Amen. Élie était là. Quand ils ont commencé à prier, à demander le feu du ciel, quand ça ne descend pas, et il les a donné la solution de ce qui était. Amen. Il dit, criez fort, peut-être que votre Dieu est en voyage. Amen, amen. Il est là dormi. Amen. Parce qu'en réalité, leur Dieu était cloué quelque part. Amen, amen. Oui. S'il était en liberté, il allait répondre. Sérieux. Mais là, Michael veilla au crin. Donc il ne pouvait pas bouger de l'endroit où il était. Amen. Mais il ne savait pas tellement aveuglé. C'est pour cela qu'il ne recherche pas les miracles.
Cherche seulement le donateur. Le jour où tu seras en face de quelqu'un qui veut prévoir les miracles, il sera sévré. Oui. Amen. Amen. Ce n'est pas une concurrence, mais c'est une assurance de ce que tu reçois, de savoir que c'est plus puissant que ce qu'il faut à cette épreuve. Dieu veut une épouse aux paroles, pas une épouse aux miracles, pas une épouse qui remplit par l'influence des miracles. Amen, amen. Va fermer les yeux. Amen, amen. Branham est aujourd'hui un roi d'épines. Amen. Coleman est aujourd'hui un roi d'épines. Amen. Les gens refusent d'avancer. Amen. Sont en train de regarder les commentaires de Coleman, les citations de Coleman, Amen. Les prédications de Coleman. Amen. Mais ils refusent d'avancer. Ils sont rendus encore là pour Coleman, un roi d'épines. Mais il y a un feu qui va sortir. Oui. C'est le jugement. Dieu te demande Amen. D'être comme les gens de Ninive. Amen. Tu adores Dieu Amen. Pendant que tu es vivant dans le pays. Amen. Ils adorent Dieu, pas dans la forme, pas dans la chair, Amen. Pas collé dans les 16 éléments. Amen. Mais qu'ils reconnaissent que celui-là est sorti de la bouche Amen. Du poisson. À Jésus. Amen. Et c'est tout pouvoir il a donné à l'église. Amen. Et c'est tout pouvoir qui était en Brana. Et ce tout pouvoir est dans la vraie église. Amen. Dieu privilégie la parole pour que tu ne viennes pas par cause des miracles. Amen. Ça va t'arriver sur la réelle chose. Dieu te donne, mais ne poursuis pas le miracle. Tu as un problème, crie à Dieu. Amen. Dieu va te le donner. Amen. Prions ensemble. Jésus, un roi de vie. Des épines, des puissants, des mauvais êtres. Les gens qui croient, quand la personne est morte, ce sont des puissants, ce sont des êtres, ce sont des piquants, des mauvais êtres. Et ils viennent après que la gloire soit partie. Amen. C'est là que Jésus est devenu leur roi. Amen. Roi des épines. Une couronne d'épines sur sa tête. Chaque fois qu'un prophète meurt, c'est là que les puissants commencent à croire en lui. Les mauvais êtres commencent à croire en lui. Les épines commencent à croire en lui. Alors il rentre ce prophète, roi des épines. Amen. Le nom est mort. C'est là que les gens sont collés dans sa chair. Quand on la meurt, tous ceux qui sont collés dans sa chair sont les mauvais herbes. Amen. Sont des épines. Amen. Sont des ronces. Sont des chardons. Amen. Ils font des bananes, un roi d'épines. Lui ne vit plus. C'est là
prophètes, les mauvaises herbes, les ronces. Ces ronces sont collées sur la chair de Branham. Et ces ronces, ces mauvaises herbes, sont en train de répéter ce que leurs parents ont fait au temps de Branham. Ils isolent encore la même chose de votre vie. Ils te tuent. Spirituellement, ils t'ont tué. Tu es quelqu'un aujourd'hui, c'est gâter sa réputation. Amen. Ils ont gâté la réputation de Branham. Ils ont tué Branham. C'est eux aujourd'hui qui ont ses brochures partout. Qui ont ses bandes partout. C'est eux qui disent Branham c'est un bon prophète. Amen. C'est ceux qui le suivent qui sont faux. Parce que nous on est vivants, c'est nous on est faux. Mais c'est Branham qui est un pays, il vit plus. Des ronces, des mauvaises herbes, des épines. Amen. Sont pris dans le message, amen, attirés par les miracles du monsieur. Amen. C'est Branham qu'on connaît. Ils font de Branham un dieu d'épines, un roi d'épines. Des mauvaises herbes, dans le même ange, devient vivant au milieu d'eux. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Amen. Que toi, tu es qui? Tu es un mauvais pion. Amen. Ils t'isolent. Comme les parents ont isolé Branham. Les parents ont isolé Jésus. Amen. Les parents ont isolé Moïse. Amen. Dans le désert. Amen. Ils sont apparus pour tout le peuple. Amen. Des épines. Aujourd'hui, qui sont là en pays le tombeau de Branham, mais qui tue encore l'olivier. Certains ont donné son lui le temps présent. Amen. Ils ne veulent pas. Ils ont tué ces 70. Amen. Ils détruisent la vigne. Amen. Ils détruisent l'olivier. Amen. Ils détruisent le figuier. Amen. Et ils disent que c'est toi. L'épine, il faut régner sur nous. C'est toi les ronces, il faut régner sur nous. C'est toi la mauvaise herbe, il faut régner sur nous. Et ils font des herbes, un roi d'épines. Eux-mêmes ils sont épines, et un épine qui règne sur eux. Dans l'esprit ce matin.